Oh putain. Oh j'ai un poisson. Oh j'ai un putain de brochet. Oh putain. Oh j'ai un putain de brochet. Oh j'ai un putain de brochet. Oh je desserre. Oh j'ai un putain de brochet à vue. Je viens juste de commencer ma pêche. Oh j'ai un putain de brochet à vue. Oh c'est un énorme. Oh c'est un énorme brochet. Oh j'ai jamais fait de brochet encore. Oh c'est un énorme brochet. Oh c'est un énorme brochet. Oh là là cette chatte que j'ai. Oh cette chatte que j'ai. Oh j'ai pas d'épuisette. Ah si je le décroche je le compte comme pris quand même. Oh le brochet. Oh il est énorme. Oh il est énorme. Oh je viens juste d'arriver, je me fais un broc. The broc que je me fais. Oh il est bien piqué. Je croyais que c'était un silure. Ah oh, je croyais que c'était un silure. Oh c'est énorme, j'ai à peine activé la caméra. Je viens juste de lancer mon leurre. Oh purée il est énorme, je crois qu'il est maîtré. Ah puis ça c'est une saloperie à apprendre ça aussi. Ça se prend pas par la gueule, c'est broché là. Ah c'est pour ça que ce poisson c'est... Certes c'est bien mais j'aime pas ça moi. Ça se prend pas par la gueule comme tout le monde. Faut lui foutre... Oh il est bien ferré, bon déjà, ça déjà c'est bien. Oh j'ai fait un maîtré. Oh j'ai fait un maîtré. C'est un brochet maîtré. Oh putain. Mon premier brochet de l'année. Oh c'est bon ça. Oh putain un brochet maîtré. Oh la vache. Premier brochet de l'année. Jordi kayak. Impeccable. Un petit maîtré. Ah ouais il fait bien le mètre. Hein. Il fait au moins un mètre je sais pas combien. Oh là là la poutre. Oh faut que je regagne le bord en vitesse là. Ah, il est super, ça fait plaisir d'en voir comme ça. Oui, surtout que moi je les relâche, donc il a pas à s'inquiéter, je respecte les poissons. Ah, je suis trop content là. Ça me fait trop plaisir parce que je prends jamais de brochet. Vous avez pas un appareil photo pour qu'on vous prenne le lait ? J'ai ma GoPro en fait. J'avais pas vu, excusez-moi. En fait, j'ai filmé le combat et puis... Ah oui. Ah, parce que ça défend ce monsieur là. Qui c'est qui veut du mucu ? Non. Impeccable. Ah oui, là. Et c'est bon, il sourit là ? Ah là, il sourit, il fait un petit sourire. Il fait un beau sourire. Hein. Ouais. Voilà, allez, on va lâcher le bébé. Je vais lui mettre sur le trois quarts arrière tout d'abord pour voir s'il sort attaquer en hauteur. Surtout ne pas lui mettre devant la bouche mais mettre en hauteur. Effet de surprise. C'est pris. Et voilà, effet de surprise, la mauvaise surprise, le Kinder surprise. Voilà, je l'ai mis en hauteur, il a pris direct. Technique de l'affût, la technique de la surprise. Oh, il se met dans les herbiers par contre, ça c'est beaucoup moins bien. Impeccable. Ah super, Laura la toutouf en sa même mère. La toutouf en sa même mère. Vous avez vu la pichenette qui m'a mise. Extraordinaire. Celui-là par contre il me l'a pas engamé. Yes. En direct. C'était même pas le plus gros en plus, je crois qu'il y en a un deuxième qui était plus haut. Ah ils sont. Y a pas de secret hein. Dès qu'ils ont la tête juste sortie avec les moustaches en avant. Avec un herbier au-dessus du crâne, ça c'est qu'ils sont à l'affût. Oh purée, par contre là il y a l'herbe. Ça par contre ça me va pas du tout. Tiens, pars par là-bas. Ceux-là, les troncs d'arbres, c'est pas trop le kiff. Alors attends, faut que je manœuvre parce que là. Oh ouais, je sais ce qu'il veut faire. Attends, faut que je le relève un peu. Ah puis je suis alourdi par les herbiers. Ah! On est bon, on est dans le match. Allez. Oh j'ai le frein serré à fond. J'ai changé mon nœud de raccord, on va voir si ça tient bien. Yes, super. Super. T'es piqué comment? Impeccable. Ah oh, purée. Alors attends, bouge pas. Ah, le problème c'est que toi tu veux aller dans le tronc d'arbre. Hein. Mais moi je suis pas d'accord.
Le problème c'est que je peux pas te prendre. J'ai pas de bord, ça c'est le souci ça. Ah yes yes yes, ça me fait plaisir. Oh il est pas mal quand même. Et là dedans. Elle pile sur le devant. Ah c'est génial, putain. Brochet métré et silure. Bah écoute, la journée est faite. Et c'est une femelle. Les morsures. On va pouvoir se la regarder. Alors attends, j'ai que de la juicy là, c'est ça le problème. J'ai que de la juicy. Ah il a la touffe dans l'air. Bah là vous voyez l'air à la touffe, hein. Là je pense qu'on est dans le match. Hein. Par contre j'ai pas de bord. Bon je vais bien le fatiguer de toute façon. Il veut plonger dans les herbiers. Hein. Bon, je vais essayer de le. Le problème c'est qu'il a. Ah il y a les herbiers sur la tronche quoi, donc pour le saisir ça va être un problème. Bon bah je vais faire comme la dernière fois, hein. Je vais être patient et puis je vais tenter de regagner un bord. Allez. Ah c'est une femelle abîmée. Hein. C'est une femelle abîmée. Ah putain j'arrive pas, il me fait trop de contrepoids le silure. Il fait trop contrepoids. Bon allez, je vais tenter de le saisir dans le kayak parce que... Tenter de le saisir. Ah, elle a des traces, hein. Elle a des traces. Hein. Morsure ancienne, moderne, il y a un peu de tout là. Ouais mais purée, mettre la main dans la gueule... Avec la touffe d'herbe, c'est un coup à décrocher l'heure, ça. Alors, attends. Ah, mais... Attends, je vais te prendre de ma main forte côté droit, ça sera plus pratique pour moi. Côté droit, je préfère. Oh, elle est superbe. Elle est superbe. Oh, ça fait encore un 50. Pas la même taille, hein. Tiens, ah, présente-toi comme ça, c'est parfait. Ça, sur mon côté droit, c'est très bien. Oh purée, l'hameçon, il est là en plus, il est très mal placé. Ouais, 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 il est très très mal placé, l'hameçon. C'est pas sur le côté, c'est juste au-dessus. Yes! Ah là! Aïe! Aïe aïe aïe! Ah, je me fais dézinguer les one-up là aujourd'hui. Et je crois que j'en ai plus d'ailleurs. Ah punaise, va falloir que je retourne en acheter. Bon. Alors, je suis pris dans le fil, je suis pris dans la pagaie, je suis pris un peu dans tout là. Aïe! Elle est belle, mes mères. Je suis poussé par le vent, j'ai pas de bord. C'est génial. Ah, bouge pas. Non, arrête! Ah là 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 là. Allez, je me dépêche. J'arrive pas à les prendre. Allez! Oh, oh yes! Ah ouais, fait un 55 sans problème. Ce qui me fait peur, c'est que t'as l'hameçon. Ah, ma main. Aïe aïe aïe. J'ai déjà failli perdre un silure dans ces circonstances. Bon, attends, je vais regagner le bord là direct. Ça va, ma fifi? Très énervé, on va la touffe. Ah, elle me l'a prise directe, hein. Je lui ai mis au-dessus du nez. Toujours mettre bien au-dessus, hein. Surtout pas devant la bouche. Hein. Mettez au-dessus et c'est là que vous avez le aspiration directe. Et là, vous êtes sûr que ça se pique tout seul. Hein. Pas de problème. Regarde, si on va pas être bien là, je t'emmène sur une petite plage. En tête à tête. Alors, le fil, tac. Allez, si elle est pas belle. Voilà.
Et voilà les gars. 1m50. 1m50, une valeur sûre. Petite mémère, une femelle. Bon, je vous montre comme d'hab. Hein. Morsure de frais. Voilà. Et elle a des morsures très anciennes. Hein. Ici, vous avez... Je sais pas si vous voyez, la mâchoire, ça fait tout ça, là. Ici. Vous en avez là. Ici. Non, c'est une femelle, voilà, qui... Bah, par contre, elle s'accouple bien tous les ans, quoi. C'est une bonne reproductrice. Voilà. Impeccable. Superbe. On est dans la jus ici. Qu'est-ce que t'as mangé, toi? Elle a rien dans l'estomac, elle, par contre. Hein. Que dalle, même pas d'arête, il y a... Aïe, il y a rien. Je l'ai piqué là. Elle a pas l'air d'avoir de traces... Ça va, traces anciennes, là. Non, non, ça va, c'est propre. C'est propre, la fifille. Elle est propre. Allez, clouve d'un coup. Ou pas, attends. T'as relâché, c'est bon. Et voilà, regarde là, superbe. 1m50, 1m55 à peu près, voilà.